Eh bien salut tout le monde, c'est Cassidius, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Monster Hunter Rise. Ah quel plaisir, j'ai pas bougé depuis la dernière fois. Je suis allé juste manger entre temps, donc il est très probable que pendant toute la vidéo je rote comme un énorme porc et j'espère que vous allez kiffer. Mais voilà, donc on s'était arrêté, on avait beaucoup de personnes à qui parler, on avait vaincu un Bichaten et on avait débloqué 4 étoiles. Let's go. Ah Pixel, j'ai des nouvelles pour vous. J'ai fait l'accusation d'Opechek, pourrait vous être utile. En fait, qu'est-ce qu'il a acquis? Parce que depuis le début... Oh, attends, ça c'est intéressant. Oh, stylé. Stylé tout ça. Bon, acheter. Qu'est-ce que t'as de cool? Donc il a beaucoup de munitions pour les trucs, donc on s'en bat les couilles, nous. Bon, tranquillisante, ça nous sera utile à un moment, il faut qu'on... Attends, mais c'est la réduction. Comme c'est les réductions, on va pas se priver. On prend ça. 3000, c'est ok. Voilà, on a pris pas mal de stock, c'est cool. Alors, toi, qu'est-ce que tu veux me dire? Encore une fois, monter de niveau mes pile-poils. Salut, Vexel. Tu ne ménages pas tes efforts. Comment va ton chien? J'aime entendre les récits de tes exploits. Chaque fois, ça m'inspire pour créer de nouveaux équipements. Mais je m'égare. Et j'en oublie que récupérer des trucs... Les trucs qu'il me faut, tu pourrais me dépanner? J'arrive pas à parler. Si tu acceptes, je te donnerai un équipement de chien inédit quand j'aurai fini. Il faut de la dragonite. Malheureusement, on ne peut pas encore en avoir. Oh tiens, Madame des Dango, encore une quête? Ah Bexel, il m'est arrivé un truc super bizarre l'autre jour. Je suis parti chercher des ingrédients ailleurs et la nuit tombée est tombée avant que je puisse rentrer. Je me suis retrouvé toute seule dans les cavernes super sinistres. Alors bon, j'ai commencé à baliser. Et j'ai entendu des cris sortir de nulle part. Gabra! T'imagines même pas comme j'ai eu peur. J'ai paniqué, je me suis enfui aussi vite que j'ai pu. Du coup, j'ai perdu tous mes trucs en route. Frisson. Tu pourrais pas les récupérer pour moi? Je vais t'indiquer où il faut que tu ailles. Tu auras des dangos à ton retour. Rapporter les courses. Putain, insupportable. Encore? Oh, et Bexel! Devine quoi, j'ai pris le coup de main et pour les dangos lapins et ils sont encore plus délicieux qu'avant. Maintenant, quand tu manges des dangos, leurs effets sont encore plus... Oh oui! J'ai mis à jour le menu, tu devrais jeter un oeil. On va voir ça après avoir pris la quête. Ah, j'en étais sûr que les pile-poils ont voulu nous parler. Alors lui, par contre, je vais lui skipper son dialogue, hein, je vous le dis. Salut, ouais, super sympa. Voilà, il m'a donné son gland. Le moment est venu pour quoi, dis-moi. Bexel, j'ai un message important pour toi. Les cerfs volants des miaosonnaires ont été améliorés. Ils vont pouvoir parcourir de plus de distance. Ce qui signifie qu'ils vont trouver de nouveaux matériaux, bien sûr. Tu pourrais t'y mettre tout de suite. Oh, j'avoue, ouais. Je vais envoyer le chien. Ah, d'ailleurs, je vais voir si je peux pas recruter un chat. Un chat plutôt sympathique. Qu'est-ce qu'il n'y en aurait pas par hasard? Pile poil spécial, il y en a pas. Enfin, il y a que celui que j'ai eu. Chercher un pile poil. Non, je veux pas chercher, je veux recruter un pile poil. Alors. Oh, cristal. Bon, je vais prendre cristal. Ah non, mais je veux pas le renommer. J'aime pas les renommer. Mignon. Bon, on va pas en recruter plus. On va tout de suite les envoyer en troupe de mercenaires, en vieux mercenaires. Hop, sectionner une destination. L'archipel de glace est intéressant. Plaine des sables aussi. On va l'envoyer en plaine des sables. Et on va envoyer du coup les deux, cristal et Wano Ogre. Voilà. Bah, confirme. En plus, ils sont encore mieux. Donc, enfin, ils sont encore plus. Regardez-moi quand ils... Comme ils sont mignons. Allez, ça dégage. Sympathique tout ça. Allez, let's go. Je vais vous montrer aussi un truc que je vous ai pas montré les autres fois. Elle peut me parler là ou non. C'est qu'en fait, ici, quand on va derrière cet arbre, on a des lianes. Et quand on grimpe tout en haut de ces lianes, on atterrit en haut de l'arbre, hein, merci Captain Obvious, mais surtout on a ici le nid d'ibouette. Et le nid d'ibouette, tout simplement, quand on va dedans après avoir fait plein de quêtes, elle ramène plein de choses, donc voilà, des remèdes herbes, des œufs d'acier. Et du coup, les plus intéressants en général, les plus intéressantes choses à looter là-dedans, c'est tout ce qui est œufs d'acier, argent et tout ça, parce que ça se revend très très cher. Tiens, salut toi. Yo l'artiste, il paraît que t'assures ces derniers temps, mais j'en attendais pas moins de m'en protéger. Pour t'aider, je continue à te filer d'autres grands philoptères. C'est plutôt cool, on en a besoin. Allez, c'est parti. Les 4 étoiles, on va voir ce que ça donne. Beau travail. Maître Amon et Fugen l'Ancien sont survoltés en ce moment. Tu as remarqué? Ma sœur est au grand camp. Elle m'a dit que Maître Ojo est aussi super de super bonne humeur. Il en saute de joie.
Tous les trois étaient de fameux chasseurs jadis. Maintenant, ils vivent un peu par procuration à travers toi. Je me demande s'ils se souviennent des 4-4 étoiles. Ça finira par leur revenir en te voyant faire. Cela signifie que des monstres plus puissants t'attendent, mais tu t'en soucieras, tu t'en sortiras. J'arrive pas à lire. Je ne m'en fais pas à ton souci. Ok, donc 4 étoiles. Ah, voilà, on a des... Ouh, oui. Attendez. Ouh. J'ai quelques peu mal au crâne, hein. Il est probable, je stresse un peu. Ah ouais, non, là, on va entamer des vrais monstres un peu vénères. Dont des monstres que je déteste, hein, bien sûr. Non, attends, donc, que je déteste, lui. Lui. Mais, ce qu'on va faire, c'est qu'avant de commencer ces quêtes-là, on va entamer les quêtes... d'autres quêtes, hein, tout simplement. Non, vous savez quoi? J'ai envie de me libérer de la quête qui me fait le plus chier de tous. C'est-à-dire celle-là. Et on va le faire maintenant. Bon, ombre foudroyante, chasser un Toby Kadashi, au secours. J'explorais la forêt inondée quand la foudre a frappé. J'ai levé la tête et j'ai vu un truc sauter d'arbre en arbre. J'ai réussi à m'enfuir, mais tout le monde n'aura pas cette chance. Fais quelque chose. Voilà, donc c'est un monstre que je déteste copieusement, hein, je le hais. Un monstre de merde, ça, le Toby Kadashi, qui vient de World, il n'existait pas avant. Donc, élément foudre, c'est parti. Et qu'est-ce que c'est en amélioration de Dango? Ah, on a celui-là. Augmente temporairement l'attaque et la défense au début de quête. C'est nul à chier. Vague. Ah, augmente le temps de cavale. Ah, yes, on a des... Voilà, c'est ça que je voulais débloquer. Donc ça, c'est le troisième Dango en général que je prends. Et c'est le Dango qui permet d'avoir une résistance élémentaire. Et ça, c'est vraiment, vraiment bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre Châtaignu médicinal et isolant. Pour résister à la foudre, augmenter notre défense et notre soin. Et on va se régaler. Et on l'a pas eu, le résistance foudre. Yes, let's go. Et on a combien de défense à la foudre, juste pour rigoler? Juste pour se marrer un petit peu là, Eta. Ah, moins 4, yes, on va se faire one shot, let's go. Trop hâte de mourir face à un monstre de merde qui bouge partout. Trop hâte. Alors vous allez voir, il est insupportable. Moi, je le déteste tellement fort. Insupportable. Mais au moins on aura une cinématique stylée. C'est l'avantage. Après on enchaînera je pense avec une petite quête de collecte et d'autres chasses de monstres. Tenima kurege firagiri metu iro mosareri mirakishi misumeito ibiga moroe to saloperie. Étincelle volante, Toby Kadashi. T'as quelle saloperie cette merde. Ah là là, ça on va s'amuser ça. Let's go. Hop. Oh oui, c'est vrai qu'on a des couteaux empoisonnés, c'est plutôt cool ça. Let's go. Donc on va prendre la classique, un ration X, et on peut parler coquins empoisonnés pour aller affronter. Oh oui. Non, j'ai oublié. Excusez-moi, j'ai oublié que j'étais un bon joueur de Monster Hunter. J'ai failli oublier. Donc ici, voilà, vous passez au-dessus du camp, vraiment à l'entrée. Et tout simplement, ici, il y a un truc pour grand phylloptère. Et quand vous l'utilisez, ça va vous donner un énorme raccourci pour tout simplement la zone 13 où se situe le Toby Kadashi, donc là où il y a tout le vide, et bien en fait c'est un grand toboggan direction le Toby Kadashi. Il y avait une grotte à gauche, mais quand on passera en exploration, ça je pourrais vous en parler un peu plus sérieusement. Oh, fleur colossale. Bon, alors, voici le Toby Kadashi, c'est un monstre qui va très vite, qui étourdit beaucoup, et c'est un enfer. J'en ai mis 3 pour sûr, mais ça servait à rien. Let's go. C'est parti! Oh non! Donc là on peut pas lui couper la queue. Ah bah voilà, il revient en arrière, je le savais. Là je vais essayer de me focus un peu, parce qu'il est vraiment chiant et dur comme mob. Ok. Il bouffe ça. Ma barre de vie. Ma barre de vie. Ok, ma barre de vie, donc potion. Voilà, ça c'est ce coup de queue arrière, il est agressif. Voilà. Ok. On a éliminé un petit monstre, je sais pas c'était lequel, mais... Ah, il est encore empoisonné, bah nice. Ok, ça c'est ce qui est plutôt bien.
J'ai fait l'erreur de me gratter la tête, ça a failli être dramatique. Oh non, non, ça y est, l'amusement est fini. Non. Ouf. Oh, doucement frérot. Non. Oh oui, il est tombé en plein dessus. Il est tombé en plein dessus, let's go. C'est le moment, c'est le moment de le défoncer. Heureusement que c'est du baron hein. En plus sa morphage, je vais en avoir, si elle en a une hein. Sinon je ferai celle du Kaiju, mais une morphage de foot, j'en ai vraiment besoin. Oh, voilà ma barre de vie. Voilà ma barre de vie, bonjour. Let's go. Prends une baisse là. Focus. Et tu veux pas te désénerver s'il te plaît bro? Je me suis rechargé, hein. Je suis un malade. Je suis un malade mental. Putain, quand il va arriver en barre en lui. Voilà, bah je vais mourir. Je vais mourir, ça va être trop cool. Trop cool, je suis mort. Oh non, le Bichaten, Bichaten. Allez, hop, c'est bon. Notre sauveteur est là. Let's go. Le Bichaten. Oula, il m'a focus là un peu. Ah, vas-y, go. Oula, oula. Mais, oh, c'est vrai que c'est chiant à monter un Bichaten. Comme c'est chiant d'affronter un connard de Tobi Kadashi, hein, surtout. Reviens, enculé, reviens. Putain, saloperie, on va pas réussir à le tuer. Allez, il faut le focus. Vite, faut lui mettre un dernier coup. Oui, c'est bon. Oh, let's go. Ah, Bichaten, ça rend de la merde jusqu'au bout. Voilà, bouffe. Prends ça, connard. Que des écailles, hein, l'enfer. Allez, mange-moi ça. Oh, ça l'a pas touché, je suis dégoûté. Je suis plus ou moins dégoûté là, on va pas se mentir. Non. Ok, c'est bon, il a été tabassé par un de mes, par mon chien, je crois, et du coup ça l'a empêché de faire l'attaque. Autant commencer par le truc chiant, j'ai envie de vous dire. Oula. Où sont mes aiguiseurs? Voilà. Ah, après je peux pas aiguiser avec lui honnêtement, c'est chaud. Par contre je peux recharger. Ça c'est cool. Non. Merci. Allez, c'est bon. Allez, ça touche là. Quoi? Oh non, je suis dégoûté. Ah, c'est tout de suite pas la même hein. C'est tout de suite des monstres qui tankent beaucoup plus. Ils sont beaucoup plus chiants. Bon. Allez. On va rester tranquille, pas besoin de stresser. Ah, j'ai plus de petites potions. Ok, d'accord. Bon. La preuve qu'on est en galère. Hein. Allez, mange-moi ça. Oh non, je sais quoi faire. Oui, je suis pas là, je suis pas là. Là, voilà. Attape plutôt ça, c'est mieux. Voilà, lui, ce poisson, il te déteste là. Oh, ce poisson, il a traité ta daronne. Ok, c'est bien. Voilà, reste là. Ah, oula, oula, doucement. Non, mais voilà, il me met des petits coups comme ça, il me respecte pas. Quoi? Non, mais non, je peux pas utiliser mes phylloptères, c'est quoi cette blague? Oula, oula, doucement, 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 doucement. Doucement, mon ami. Je suis pas là. J'ai jamais été là, mon ami. Voilà, il va, on va lui mettre la max. Voilà, 128. Hop. Ouf. Ah, c'est moi qui vais bouffer là. Même s'il est fatigué, il est chiant. Ok, c'est bon, c'est le moment. Allez, let's go. Dans le dos. Voilà. Là, il a mangé pour toute sa famille. Il boit toujours pas.
Mais là, je vais lui mettre ce qu'il mérite. Voilà. Quoi, il monte? Bah écoute, t'auras beau monter tout ce que tu veux, je vais te tabasser pareil. Allez, ore, ore. Voilà, il est tombé. J'aimerais quand même lui mettre une deuxième fois l'ulti, ça serait quand même cool. Oh, il est retombé! Let's go! Putain, c'est vraiment la victime. Ah, il va mourir, il boite! Let's go! Let's go! Voilà. Oula, oula, ne crie pas! Ne crie pas, je veux pas me faire tabasser. Bah, je vais me faire tabasser. Ouais, il est redevenu un peu en colère, mais c'est pas grave. On devrait être capable de le finir. Non! Au secours! Il ne le savait pas encore, mais il est déjà mort. Oh, le chien il est monté dessus, let's go! Et voilà, Toby Kadashi, baisse ta mère! Ah ouais, non, il me vénère. Il me vénère. Ok, il est où? Ah, on va prendre la petite larme. Oh, griffe, nice, on en a besoin de beaucoup, ça. Ça, c'est compliqué à looter et on en a besoin de beaucoup. Pelage Kadashi. Griffe Kadashi. Oh, il m'embrade, parfait. On a eu plein de trucs. Parce que je sais que dans ma partie, dans mon autre partie, j'étais déjà fin du rang quasi et j'avais besoin de griffe Toby Kadashi, de Baran et l'enfer. C'est littéralement l'enfer. Parce que j'en avais full besoin, mais j'en ai jamais loot alors que j'en faisais plein. Ça durait des plombs, je m'amusais pas parce que même en Baran, je le déteste ce mob. Insupportable. Mais au moins, c'est fait. Il n'y a plus de Toby Kadashi avant le haut rang, au moins. Avant le multi, tout simplement. Avant le multi. Normalement, il devrait plus y en avoir des Toby Kadashi. S'il y en a encore, je pleure. Est-ce que je déteste ça? Aussi simple que cela. Est-ce qu'on a eu d'autres griffes? Ah, on en a eu quelques-unes. C'est cool. C'est cool, on a eu quelques griffes Kadashi. On en a 4 en tout. Et 4 en tout, c'est le plaisir. Parce qu'en général, ouais, pour crafter des trucs... Tu peux en avoir besoin de 4, max 5 je crois. C'est toujours la cinquième la plus dure à avoir. T'as hâte aussi de tourner du Skyward Sword là maintenant que j'y pense. Pour voir. Enfin faudrait que je fasse les réglages parce que là il y a les réglages pour Dragon Ball, FighterZ. Il y a les réglages pour Isaac et pour Monster Hunter, mais j'ai pas encore fait les réglages Zelda Skyward Sword. À l'instant j'ai que les réglages pour mon PC portable. Ouais quoi? Ah oui non mais je m'en fous de ce que tu me parles sur le machin. Ouais. Merci pour les sphères d'armure mais t'avais pas de dialogue donc pour moi n'existe pas. Alors c'est quoi? Ah il y a une morphage bichatène. Oh elle est très bonne en plus. Oh elle est excellente. Ah je peux la faire en plus. Bah écoutez. Oh j'en en a plein de ça, voilà, voilà. Là. Voilà forgé. Quoi? Il faut quoi? Type de matériau? Nepteron. C'est quoi ça? Merde, je sais pas ce que c'est. Merde. Bon, je me renseignerai sur internet du coup. Parce qu'elle est vraiment très bonne. Elle est meilleure que la mienne en termes de tranchant, en termes de tout. Elle est trop trop bien. Ah, il y a celle-là aussi, incroyable. Oh la Kizu, elle est très très bonne aussi. Ah ouais, non, faudra que je me farme ces deux morphouaches là, vraiment. Ah ouais, là je vais farmer en vidéo. Là, je vais avoir besoin de farmer en vidéo. Là, c'est clair. C'est clair qu'on va avoir des petits trucs sympathiques là à aller chercher. Là, Ludros aussi, hein, bien évidemment, une arme haut pourrait être des plus pratiques, hein, on va pas se mentir. Et celle-là, c'est quoi? Oh, stylé. Bon, c'est à rien de fantasmer. On va récupérer sa vraie morphouache, c'est-à-dire la... Comment ça s'appelle? Oula, déjà... Hop. Équipement, changer. Voilà, Ashkamora. On va prendre la Ashaknosom, qui est la meilleure de celles que j'ai. Et vu que les autres, ben, je peux pas encore les lutter. Sous-quête facultative, chasse, on prend, voilà. Quête de village, 4 étoiles. On va aller faire la quête de où faut rapporter les courses, hein, tout simplement. Rapporter les courses. Il y a 6 ingrédients de Dango secret. Un soir, je suis passé par les cavernes de lave et j'ai entendu un rugissement super effrayant. J'ai eu peur et j'ai fait tomber les provisions. Et j'ose pas y retourner, tu pourrais y aller? Bien sûr, sans souci. Sans souci.
On va aller manger et on y va. C'est une quête de récolte, on va monter sur le chien, ça va être fast. Hop, quête de zénith. Oh, Dango gagne pain, bah c'est parfait. Hop, hop. Let's go. On y va. Gagne pain, on a eu gagne pain, c'est le plus important. C'était le plus important de loin à avoir. Et après, je pense qu'on ira se faire un petit Poké Poké. Hein. C'est encore un monstre qu'on n'a pas encore découvert. Donc, une magnifique cinématique en prévision. Et la vie de moi, j'espère que j'aurai pas à faire une quête que j'ai pas encore fait pour améliorer la morpho H. Parce que sinon, je suis baisé, je vais la faire en vidéo. Oh ! Pénombre bleutée, les flammes écarlates, les cavernes de lave. Ça, c'est la map que j'aime le moins. Elle est insupportable. Oh, saleté de map. C'est un labyrinthe sans nom. Il y a des monstres insupportables dedans. Vous allez voir, c'est funky là. Mais c'est une nouvelle zone, donc des beaux décors en prévision. Et ça, c'est cool. Et surtout de nouveaux loot, hein. Et surtout, j'aurais dû y penser en voyant la dragonite, mais dans le volcan, c'est là où est-ce qu'on peut avoir le meilleur minerai. C'est là où est-ce qu'on peut avoir les minerais les plus rares, les plus chers, un peu tout ça. Donc le volcan est une très bonne zone pour si on a besoin de récupérer certains minerais. Mais nous, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste se balader pour découvrir la map, éviter de trop spoil sur les monstres qu'on n'a pas encore affrontés. Est-ce qu'on va les affronter bientôt? De toute façon, ça sert à rien de vous spoil maintenant. Puis ça vous garde en haleine pour les prochains épisodes. Oh, il y a des Rhinoplos. Ah, bah un minerai ici. Récolte. Ah non, c'est un minerai spécial qui donne que des points. C'est un minerai inutile. Ok. Alors. Est-ce que. Où est son putain d'équipement? J'ai fait quand même un quart de la map et j'ai toujours pas trouvé de traces de son équipement. Est-ce qu'en fait c'était un prank et elle a pas d'équipement? En fait, elle était venue nue dans cette zone de lave, elle était pas préparée. Putain, je suis en train de faire tout le tour de la map, y'a rien. Oh, les anecdotes. C'est terrible ce qui se passe. Respectez-moi. Mais il n'y a rien. Donc ça, c'est encore une fois un faux minerai. Il n'y a rien du tout, mais la blague. Putain, je me suis fait prankhead. Non, il n'y a pas de monstre en fait, je vois pas de quoi vous parler. Il n'y a pas de monstre ici. Oh là, par contre, c'est un vrai. Voilà. Alors, peut-être par là. Ah, enfin. Enfin. Enfin, le premier panier repas. Panier Yoplait. Bon allez, là j'ai exploré la moitié de la map, on devrait en découvrir beaucoup plus rapidement des paniers de repas de merde là. Et vous voyez, c'est cool comme zone de volcan aussi parce qu'il y a pas mal d'eau. Il y a vraiment pas mal d'eau et ça contraste un peu, c'est pas vraiment que du rouge, des flammes et de l'enfer partout. Ah ouais, donc là il faut monter à l'étage, comme ça je pense, sans le dissident. Quoi, non? Faut encore monter plus haut? Quel enfer! Comment on monte plus haut? Il y a un phylloptère dans le coin? Ou alors c'est mano à mano, j'ai envie de dire. Bah ça a l'air, donc on va grimper durement mais sûrement. Let's go! Voilà. Donc c'est dans le coin. Ici, il me semble. Ah là, parfait. Adango. Bah plus que la moitié. Plus que la moitié et on aura fini l'exploration de la zone, tout la quête. Donc c'est plutôt cool. Ok, ouais, il y en a un là, faut pas descendre. J'ai bien fait de pas descendre. Parce que j'étais à deux doigts de sauter, hein, je vous le dis. J'étais à deux doigts de faire l'erreur de sauter. Alors que c'est là. Voilà. Oh, du miel. Donc là, c'est en dessous. Et on va aller en dessous. Oula. Alors, où est-ce qu'il peut être? Est-ce qu'il est en dessous? Ah, il est en bas. J'ai préféré rester en haut au cas où pour pas remonter, mais finalement c'était en bas. Et du coup, on aura exploré toute la map parce que, à mon avis, c'est dans le dernier endroit qu'il y a tout simplement
le dernier truc de Dango. Voilà. Je me disais bien aussi. Eh bon, moi je dis que ça s'est bien passé, c'est parfait. Voilà, fin de la quête. Let's go. Et ben voilà. Tranquille. On s'est baladé un peu, c'était cool. C'était cool. Au moins j'aurais pas à l'explorer pour plus tard cette zone, parce que vous voyez juste en regardant bien attentivement cette map, vous pouvez savoir à quel point c'est un enfer de se déplacer là-dedans. C'est que au feeling, hein. Je vous le dis honnêtement, pour moi c'est que du feeling quand je vais dans cette map. C'est je pense que c'est par là, donc je vais par là, hein. Je la connais pas. C'est nul à yesh. Mon dieu. Alors, on a looté quoi? Des insectes immortels et de la dragonite dont on a besoin. Ça c'est cool. Et des nouveaux dango. Bon. Je le fais pour la forme, et si jamais un jour j'apprends qu'une telle combinaison de dango est importante et très bonne. Mais pour l'instant, honnêtement, je vous le dis, on a déjà tous les dango dont j'ai besoin. Et bien sûr, on pourrait les améliorer en dango plus tard, mais ça sera que dans le multi. Pour l'instant, nous, on n'en a pas. Oh, est-ce que vous auriez une minute? Bah bien sûr. Ah, on a peut-être découvert un nouveau camp sans le savoir. Vous avez trouvé un endroit où... Ouais, ok, d'accord. Je l'ai pas vu, mais on en a découvert un. Et on peut déjà poter Tranadon et os de monstre rouge. Eh bien, écoutez. Livraison. Hop là, let's go. Merci d'avoir apporté des minéraux d'une telle qualité. Maintenant, nous allons pouvoir installer le campement. Une fois que nous aurons terminé, vous pouvez vous en servir comme base d'opération. Let's go, on a obtenu le campement numéro 2. Eh bien, ça s'est rondement bien passé. Sans plus tarder, nouveau monstre. Et est-ce qu'on avait... Non, on a plus de zone à découvrir, on a fait toutes les zones du jeu. Ouais, c'est ça que je me souviens. Donc, on n'a pas de comment dire, toutes les quêtes là, chez ce truc des voyous de monstres et tout. Je pourrais les faire moi de mon côté, ça posera pas de problème parce qu'on aura plus de cinématiques à part celle des grands monstres qu'on n'a pas encore affronté. Donc, facile à reconnaître. Mais ça, c'est pas une quête clé, mais on va la faire maintenant, on va en profiter. Projet empoisonné, chasser le Pouké. Alors, bien sûr, je tiens à passer un coup de gueule là, hein. Un gros coup de gueule. Brocorse, je sais que t'es là, fais pas le mytho, je sais que t'es là. Comment ça, je suis un vieux Pouké dans Monster Hunter Stories? Tu m'as déjà expliqué, mais en gros, moi, je vais vous expliquer. Dans son Let's Play de Monster Hunter Stories, il appelle ses monstres par ses abonnés. Et à un moment, parce qu'il n'y avait pas grand monde, et il avait déjà nommé pas mal de ses abonnés, il cherchait un nom. Et là, pour un monstre, un Pouké, et là, il y a un mec dans son chat, déjà, il m'a roasted, et en plus, il a mal écrit mon pseudo, donc je devenais fou. Et du coup, il a dit, oh, le Pouké, il parle beaucoup, vous savez, c'est Cassidus. Du coup, il rigole. Et en plus, après, il m'a découpé en tranches pour donner mes gènes à Dutch. Je trouve ça honteux. Tu es honteux. Sache-le, monsieur à la moustache. Ah, mes recherches comptent plus que tout. Je rentrerai dans les annales avec cet antidote. Mais pour y parvenir, j'ai besoin que tu me ramènes à Pouké. Mais compte pas sur moi pour les antidotes. Attends, faut le capturer? Non, faut le chasser, oui. J'ai oublié, parce qu'il y a des quêtes où il faut que capturer un monstre. Faut pas le chasser, on n'a pas encore découvert ça, mais... Faudra faire attention. On va pas se faire arnaquer. Allez, donne-moi à bouffer. Pouké qui est un monstre de world, hein, qui est pas un monstre, comment dire, qui n'est pas un vrai, enfin si, il est en vrai, world, à partir de world, on peut dire que c'est un nouveau monstre, parce qu'il y a que Urize entre temps, n'oubliez pas que nous on est en France, hein, et qu'on est en France, apparemment les jeux c'est pas fait pour nous, hein, donc du coup, quand t'as un Monster Hunter qui sort chez nous, t'en as 4 qui sortent au Japon, 4 qui sont 20 fois mieux que celui qu'on a, et ça fout le seum. Après, d'un côté, au moins, vous allez me dire, on a le temps pour farmer, parce qu'entre les jeux, vu que ça sort dans longtemps, on peut poncer le jeu, au lieu d'avoir des jeux qui se jouent pendant 300 heures, et finalement, on a un jeu qui sort tous les 10 minutes. T'as les meilleurs hentai, c'est horrible. Hein. Gosier glouton, le Pouké. Ah là là, terrible. C'est honteux. Bon, j'avoue, il est quand même un peu stylé. Enfin, moi, j'aime tous les mobs, en général, sauf le Kizu. Mais, mais bon, voilà, quoi. Peu de respect, quoi. Non, mais voilà, donc le Pouké est un monstre qui fait du poison. Il n'a pas d'éléments, genre de feu ou toutes ces conneries, hein. Il n'a que du poison. Et je crois que c'est plus ou moins tout ce qu'on a à savoir, hein. Ah oui, et aussi, pour parler des différences avec World,
Là, vous voyez qu'il mange des champignons. Alors que normalement, non, il mange pas des champignons. C'est juste que les plantes dont il se nourrit, donc des plantes de poison, elles ne sont pas dans ce jeu. Donc ils se sont dit, on va mettre des champignons à la place. Ça peut être RP, oui. C'est bien. C'est parfait. C'est ça fait le taf. Voilà, gisement minier complété. Où est-il? Ah, il est devant. Le voilà. Tu m'as vu? Yeah. Je pense qu'il s'est plus énervé parce qu'un Bulfango lui a poussé dessus que moi, mais t'inquiète. Oh, il a empoisonné le Bulfango! Oh le bâtard! Oula, oula. Ah, il prend cher dans la tête. Vous allez voir, ça va. C'est un des derniers monstres plutôt simples qu'on va avoir à affronter, hein. C'est pas trop chiant. Je dis ça à Imbolos. Où est-ce qu'il va? Mais va pas tabasser mon chat, il est en train de récolter du miel, bâtard! Laisse-le! Non! Kiki! Ok, ça va. Pendant un instant, j'ai paniqué. Ok, 125, bam! Il bouffe ça. Je vais mourir. Oh, je l'ai esquivé, je sais pas comment je l'ai esquivé. J'ai fait une roulade au bon moment, c'est passé incroyable. Ok, ça va, il fait que crier. Ah, il est énervé, vous voyez? Ses plumes sont devenues rouges. Il est énervé. Qu'est-ce que c'est que cette attaque? Je l'ai pas fait. Ah, bien sûr, ils ont forcément changé ou amélioré des attaques par rapport à Bond, hein, parce que ils ont le temps de le peaufiner le monstre depuis sa sortie. D'ailleurs, il a une sous-espèce qui n'est que dans le DLC Iceborn de Monster Hunter, hein, et qui n'est pas dans ce jeu. Donc, si vous la voulez, ben c'est mort. Si vous la voulez dans Rise, c'est mort. Hop là. Donc bien sûr, hein. si j'ai un Monster Hunter à vous conseiller, c'est si vous voulez un Monster Hunter sur PC, bah je crois qu'il y a que World pour l'instant. Bah il y a Stories aussi, mais je vous conseille World clairement, parce que déjà avec un bon PC, vous verrez, littéralement ça va être une vraie dinguerie, surtout que le jeu est très très bon et beaucoup plus mobile que les anciens. Et si vous êtes un joueur console, et ben je vous conseille Rise, parce que même s'il y a World aussi sur console, Rise sur Switch est intéressant honnêtement. Allez, pouf. Bon bah on va arrêter, on va se casser. On commence à prendre cher là, on va pas se mentir. Un peu d'antidote là. Ah, et c'est bien ce que je me disais, j'avais entendu un bip. Il y a les bulles, il faudrait que j'ai puisse les atteindre. Voilà, parfait. Allez, mange ça toi. Non mais t'es pas fun. C'est vraiment une merde. Elle est partie carrément. Ah, il a pas de couilles, il a pas de couilles. Allez, on va recharger. Mais mon chat, enfin mon chien. On s'y perdrait. Hein. Oh, attends, il est parti aller voir un mob là. Faut que j'y fonce. On aiguisera plus tard. L'important c'est d'aller voir si se tabasse. Parce que si se tabasse, on peut monter un monstre. Il est en dessous, je rêve. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont en haut en fait. Putain, je fais n'importe quoi. Ah, y'a plus de mob. Il n'y avait pas avec lui. Bah j'ai cru. Excusez-moi, non mais j'ai cru. J'ai complètement cru, je sais pas, j'ai fait des mauvais shit. Je sais pas, de toute façon je verrai en montage hein, si jamais il y avait vraiment un monstre qui a disparu en combat. Ça m'étonnerait, j'aurais vu un message si j'en avais un. Ah, lui aussi, on peut le couper la queue. Hein. Voilà, ma priorité, honnêtement, c'est plus de le tuer que de le couper contre le support. T'as là, par contre, j'en reviens pas de la morphage bichatène, comment elle est forte. Olé. Oula, non. Doucement, toi. Attends, je peux faire la super attaque, j'avais pas vu. Attends, tu penses là? Ouais, je m'en doutais. Aucune. Quoi? Non! Bâtard! Bon là par contre ça passe hein. Là tu me respectes. Tu me respectes et ça bouffe hein. 120 là. Bon c'est parti. Bon on lui a pété la queue, parfait. Oula non va-t'en. Ça passe! Let's go! Oh non, je vais tomber en bas et je vais pleurer. Ah, je vais pleurer! Mais ça va, je crois qu'il y a bon. Ouh. Alors ça. C'est plutôt cool. Et normalement il y a toujours mon philoptère qui est à côté. Exact. On va monter.
Oh non, putain, il est redescendu le bâtard. C'est pas grave, on va en profiter pour choper la queue. Putain, là il va voir le Bichaten cette fois-ci, ce bâtard. Allez, faut y arriver vite après. Faut arriver vite aux côtés du Bichaten et du Pouquet. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le Bichaten il est tabassé là? Ah, viens avec nous, le Bichaten. Viens avec nous. Salut, mon. Non, tu veux pas venir avec nous, le Bichaten? Oh, le Bichaten, salope, il a dû se faire tabasser au moment où je t'ai c'est là que je suis dégoûté. Oh, je suis dégoûté, je suis vraiment vénère là. Oh, bâtard. Oh, le Bichaten est vraiment parti à l'autre bout de la planète, je le déteste. Oula, j'ai failli tomber dans le nuage de poison, moi. Viens là. Ça me fait zéro respect, hein. Hop là. Voilà, maintenant tu bouffes. 120, il boite, parfait. Comme excompté. Ouré. 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 Voilà, il va bouffer tranquille. Moi, juste à spammer A là. Il devrait pas être gêné. Par contre, faudrait aiguiser un moment. Je veux pas vous mentir, j'ai vraiment envie de t'aiguiser là. Ouais, mais si on le fait ici, on s'en bat les couilles. On va se faire tabasser. Ah, bah non, vu qu'on lui a coupé la queue, la hitbox, c'est réduit. Let's go. Ça, c'est ce qu'on appelle nous retourner Moldave à l'ancienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas ce qui s'est passé, mais. J'ai pas aimé ce qui s'est passé. Allez, voilà! Blablabla. Voilà, 127 et objectif terminé, tranquille, easy. Easy. Easy, easy. Voilà, c'est parfait, mais c'est parfait. Donnez-moi ce Pouquet Pouquet. On l'a atomisé. On l'a atomisé, j'ai pas d'autres mots. Bon, on va encore faire une petite chasse de monstres, on s'arrêtera là, je pense. On a pas mal fait de chasse. Et ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir chasser de mon côté maintenant. Pour tout simplement farmer un peu. Pour éviter des longues sessions de farm de monstres qu'on a déjà vu, hein. C'est bien si on est en live, mais malheureusement, comme je vous ai dit, ben, je suis pas en live. J'ai pas encore fait tous les setups de live et tout, donc c'est compliqué. Faudrait que je les fasse. Mais avec mes deux écrans, là, il y a moyen de faire un truc pour la Switch. Mais comme d'habitude, hein, je vous explique, hein, mon truc de capture. Pour parler sur Discord en même temps, c'est chiant, ça me pète les oreilles, c'est pas très agréable. Oh, il est que 13h en plus. Ouais, je vais aller farmer de mon côté, je ferai du montage un peu aujourd'hui, je pense, et je vais faire les réglages pour Zelda Skyward Sword comme ça. Demain, parce qu'on est mercredi, je peux pas tourner, je fais du montage ou je me repose, ou les deux. Je peux faire du montage comme un connard, je le sais, mais voilà. Et après, bah, jeudi, vendredi, samedi, ça va être du hard tournage de Zelda Skyward Sword et Monster Hunter Rise, et ça va être un plaisir. Zelda Skyward Sword, on arrive à la troisième zone, là, d'ailleurs. Ça va être incroyable, ça va être la pire, de très loin, de tellement loin, ça va être la pire. Sur le donjon, je l'ai dit, hein, le donjon, je le fais en une heure. Le donjon, je le fais en entier, rien à foutre si l'épisode il fait 2 heures. C'est un donjon de merde, c'est un donjon de merde. Hein. Alors, toi, gisement minier, c'est bon. Un grand monstre, parfait. Sous-quête facultative, chasse, forêt inondée. J'accepte. Quête de village. Donc, est-ce qu'on a des quêtes dans la forêt inondée? Et c'est là qu'on en a plus, ça me fait trop rire. On en a plus, il y a que des quêtes dans la caverne de lave ou la plaine de sable. Ouais, en fait, non, on a fait la seule, je suis dégoûté. Écoutez, c'est pas grave, ce sera les quêtes que je ferai de mon côté alors. Écoutez, celle-ci, si jamais vous me la demandez en commentaire, je la fais avec vous. Je vais la garder de côté, pour l'instant, je vais pas la farmer. Mais si jamais en commentaire vous me dites que vous voulez voir les quêtes d'arène, enfin, c'est pas vraiment des quêtes d'arène, parce que les vraies quêtes d'arène, c'est tu choisis pas ton stuff et t'y vas. Mais là, c'est des quêtes, entre guillemets, un peu plus spéciales, hardcore. Donc si vous avez envie que je les fasse, écrivez-le en commentaire. Si vous l'écrivez pas en commentaire, je les garde de mon côté et je les fais tranquille. Donc quel est le monstre avec lequel on pourrait finir aujourd'hui? On va faire un monstre chiant, allez, parce que je suis un connard et j'aime bien faire les trucs chiants d'avance. Bon, lamentation du rocher, chasser un Bazarus. Après, avec la morphage, peut-être ça va être tranquille. Bon sang, je flippe grave. Chaque fois que je vais aux cavernes de lave, j'entends une voix... Mais y a rien ni personne aux alentours. Tu peux aller jeter un œil? Pas de soucis.
Vous allez voir un monstre qu'on peut considérer comme un bon. Par contre, j'ai pas la bonne morphouage pour. Parce qu'elle est feu. Et vu que c'est un monstre de feu, je vais lui faire un dégât. Est-ce que je peux pas avoir une meilleure arme, s'il te plaît, bro? Celle-ci, je peux pas et ça m'énerve. Parce que ça, là, je peux pas, putain. Putain, je peux pas faire la lue droite en plus. Parce que j'ai aucune griffe lue droite en fait, d'accord. Bah écoutez, non, on va pas faire celle-là du coup. Je pense qu'on va pas faire celle-là, on va éviter de prendre des monstres qui sont résistants au feu en fait, ça va être chiant sinon. Bah écoutez, on va faire celui-là parce qu'il est résistant au feu lui, et c'est un des seuls. Donc glacé à blanc finalement, chasser un Barrios. Déjà qu'il est difficile de trouver de la nourriture à l'archipel de glace, il faut en plus se coltiner à Barrios dans les parages, on va mourir de faim. Tu voudrais bien t'en débarrasser pour nous? Écoute, j'avais pas prévu de faire ça parce que ce monstre aussi est assez chiant, vivace et vénère, mais il va être plus sensible aux attaques que je vais faire avec mon arme. On va choisir celui-là. Châtaigne médicinal, glagla, et on y va. Et on a tout eu, c'est parfait. On va pouvoir aller le fumer sa daronne ou se faire fumer notre daronne au choix, on sait pas. Je vais améliorer mon armure, tiens. Non, je vais pas l'améliorer, je vais la garder comme ça. Parti en quête. J'améliorerai pour la prochaine fois. Pour la prochaine fois, peut-être que je vous ferai un set. Un petit set d'équipement, je sais pas. On verra, on a le temps de découvrir tout ça. Mais avant tout, cinématique. Eh oui. Mon alomi, Edime Kidoyu. Ihanen Kideira. À peine abusé qu'il est one shot. Hein. Stylé. Les crocs glacés, le Barrios. Incroyable. Pur stylé. Donc là, voici le gros monstre de la vidéo. Je peux vous le garantir. Un Pookie Pookie, c'était rien. Le Toby Kadashi, pour moi, c'était le pire. Enfin, c'est le pire entre les deux, clairement. Mais c'est pas celui qui me fait le. Enfin. Attends, je vais reprendre ce que je veux dire. Donc, le Toby Kadashi, c'est le pire de la vidéo, hein, de très loin. C'est vraiment le pire qu'on a affronté. Mais celui qui est le plus imposant, le plus stylé et qui pourrait faire le plus peur au premier abord, c'est le Barrios de ceux qu'on a fait aujourd'hui. C'est clairement pas ce vieux Pouké Pouké là. Alors, je vais prendre ça par contre. Regardez comme il est gros là. Donc, c'est un monstre de glace, hein, faut faire attention, il est assez vivace et assez agressif. Donc, il faut pas se déconcentrer là, clairement pas. Ok, viens là toi. Voilà, il fait des tornades de glace, il en a rien à foutre. Et son armure est très très bien. D'ailleurs, je vous la conseille si vous jouez arme à tranchant. Parce que arme contendante et comment ça s'appelle? Arme contendante et fusée arbalète, ça sert pas à grand chose, je trouve. Parce qu'en fait, il a le talent rengainage rapide. Donc du coup, vos armes, vous les rangez, vous les sortez à une vitesse éclair. Et c'est vraiment pratique. Bah, je sais pas où est-ce qu'il est allé, mais il y est allé. Allons-y, Guingamp. Hop là. Oh, il y a un petit Removra là qui s'est suicidé en plein milieu là. Là, t'approches pas toi. Merci. Oula, oula. Oula, oula, oula. Doucement. Bon, ça va. Il chute pas mal. Après, normal, j'ai une morphage de feu. En plus, tarif. Non. Ah, ça va, là on a de la tempo. Oh là là, non! Je suis pas là, moi. Ah, ça fait mal, ça. Ça, je connais. Ça fait un mal de chien, ça, je reconnais bien. Ok, viens là. Je vais te couper la queue, moi. Après, je suis sûr qu'il a une super morphouage, par contre. Je suis persuadé qu'il doit avoir une morphouage démon, ce mob. Ok, venez là, vous, les calamars du plaisir. Oh là, hop, plus 50%. Oula. Non.
Oh là. Ah nice, on lui a coupé la queue. Je recherche devant lui, j'ai aucune pression. Bah j'aurais peut-être dû avoir une passion. Aïe. Je suis pas là frérot, je suis pas là. Sois pas énervé, j'ai juste tabassé un peu le fion. Donc on va bientôt pouvoir avoir la supercharge. Et on l'a. Let's go. Dans le dos, ça fait pas plus de dégâts ce sens. Il est mis sur la tête, donc on lui a mis une centaine de dégâts. Oula, il y a de la dinguerie à faire. Bon, il y a surtout de la dinguerie à se soigner. Aïe 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 aïe, qui fait mal ce mob. Allez, là ça touche. Quoi? Ça touche, mais pourquoi je l'ai pas eu? Je suis pas monté dessus. Étrange. J'avoue que j'ai pas compris. J'avoue que j'ai pas trop compris ce qui s'est passé là. On va déjà déposer la queue principale. On va aiguiser et on va y aller. Ok, point de Barrios, donc ça c'est la queue, c'est le matériau de la queue. Alors on va reprendre les calamars pour de l'affinité. Hop, on se régale. Allez, viens là toi. Allez. Oh le chien comment il a rebondi. Oh non mais j'ai pris un coup gratos là. Oula non. Je t'ai vu. Fais pas le malin avec moi. Sinon je te bouffe. 125 hein. Bouh. On se régale hein. Oh non. Là il est énervé. Et là j'aime pas ça. Oh bah là j'aime bien. Là je peux vous dire que je vais bien aimer ce qui va se passer là. 17 voilà, 18, 13. Ouah, 127, il a plus de dents. On lui a pété les gencives. On va se soigner aussi parce que sinon ça va être chaud là. Non, pourquoi j'ai rechargé? Je voulais pas. J'ai mis ce clic. Oula. Je suis pas là, frérot. Hein. Enfin, j'étais là. Oula. Doucement, reviens. Mon ami. Pas dans le couloir, s'il te plaît, merci. Ouf. Prends pas cher hein, sur ces parties du corps. Hein. Ah, je prends cher aussi, hein. Faudrait que je pense à me soigner. Oh là, doucement, reviens là. Reviens là, toi. Non! Baby! Ah, j'ai pris! J'ai bouffé. Au sol, c'est bon. On peut le mettre la max. 125, c'est bon. Putain, regardez-le comment il tank vachement plus que les autres. On est au même temps que les autres sont déjà bleus. Et lui là, non, ils sont pas les couilles. Bam. Oh, il se vénère déjà, mais non. Il y a un popo. Il y a un popo qui s'est suicidé, il a disparu, il est dans le vide. Dans le vide. Qui c'est qui arrive? Ah merde, le spoil du monstre. Non, ça va, il s'en va. Oh là là, mais non, mais retombe. Laisse-moi te tabasser. Ok, je monte dessus, let's go. Ah, et on peut pouvoir aller monter sur le mob direct en plus après. En plus, il boite, mais let's go. Allez, let's go! On va monter ce nouveau mob qu'on connaît pas! Qui est la somme d'Akanta, bien évidemment. On va le chasser dans le prochain épisode, peut-être. Sûrement. Allez, let's go! Voilà, ça, en plus, c'est un super mob, je l'adore. J'aime beaucoup. Allez, et là, là, ça va faire mal. Là, ça va bombarder. Petit laser de sommeil là. Allez, fais dodo. Hein. Fais dodo, Jackie. Regarde, tu vas mourir maintenant. Boum. Alors,
Ça fait quoi? Bon là on va le terminer je pense hein. Quoi même pas? Je pensais qu'on allait le tuer là. Et tant qui hein. Bon, on va laisser boiter et s'en aller. Nous on va aiguiser sur le chemin. Par contre c'est étonnant qu'il n'y ait pas plus de matériaux. Même très très étonnant. Bon, de toute façon il est mort là. Là je pense que je lui mets 2-3 coups, c'est terminé. Je préfère faire le contour honnêtement. C'est plus simple. Regardez le pauvre là-haut. Le pauvre qu'on va atomiser là gratuitement. Si tu dors. T'es où mon bro? Il a trouvé quoi? Fortunette. Elle est où? Elle est là-bas, elle est là-bas. Elle est là-bas, elle doit être dans le coin. Putain, elle est où, elle est où? Ça aurait été où? Elle est là. Voilà, une de fortune est obtenue, la richesse vous attend. Et surtout, l'atomisation du mob. Connard! Enculé! Saleté de chat, putain! Je le déteste. Oh, on aurait pu faire un truc super stylé, ce sel chat de merde. Ah, la somme d'acante, elle s'est en... Non, c'est pas en fumée. Non, non, tout va bien. Je peux. Oh la putain de chat, voilà, insupportable, faut que je le fume. Connard de Kayamba, regardez-le, ils en a rien à foutre hein. Ouais, le shuriken, je voulais le taper en premier, ouais. Putain, gros d'ambre, c'est bien. Oh là là là, là. Qu'est-ce qu'on va faire de ces chats, moi je vous le dis. Allez, monte. Ah, c'est bien, je vais te monter dessus, moi. Parce que je crois qu'il y a dans le coin, il y a des minerais hein. Ah, en plus, on n'a même pas encore découvert cette zone, ce sera l'occasion. Écoutez, voilà, on a découvert la zone. Et un cure de Grand Izuchi, parfait. Ah là, voilà, je m'en souvenais. Boum. C'est Thibaut in shape. Prendre des petits champignons. Petits champignons. Voilà, oh putain, c'était tendu. C'était tendu du slip et les chats, ils ont failli troll à la fin. Nom de Zeus. Oh, je vais aller me reposer, je vais aller faire une sieste, je pense, aujourd'hui. Est-ce que je suis mort, là? Je suis down. Je suis totalement down. Mais surtout, maintenant, si j'ai rien à faire et que je m'ennuie dans la journée, je peux farmer du Monster Hunter, maintenant. Simplement parce que on est tellement avancé, maintenant. Enfin, on a tellement avancé comparé au début que je ne devrais pas risquer grand-chose en farmant de mon côté. Pas trop de découvertes de mobs ou de trucs comme ça. On va valider les deux sous-cats et les récupérer pour le prochain épisode. Voilà. Un grand monstre. Un peu la show. A l'air d'aller. Ouais, c'est plus ou moins égal. Chasse, partie détruite. Bon, faut réinoder du coup. Bon, je vais la garder finalement. Voilà, on est d'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre dans le village ne parlait? Personne. On va aller checker si les miaourcenaires sont revenus parce que je sais pas trop quels sont leur état actuellement. Ils ont dû revenir, je pense. Ça me paraît très logique. Ah, bon, alors ils sont vers leur fin de quête. Ouais, il leur reste une quête à faire. Bon, on aurait dû. Si on avait fait encore une quête de plus, ça serait revenu. Bon, c'est pas grave. On va aller tranquillement se placer au même endroit que d'habitude. Et qui est ici. Et on va tout simplement dire au revoir. On va trouver une petite pause sympathique. Hop là. Comment est-ce qu'on pourrait se mettre aujourd'hui? Cette de pause. Oh, le dropkick! Parfait! Parfait, un petit dropkick pour finir. Alors, Power Stance, Jojo! Incroyable. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, tout ça serait et ce serait super sympa hein, de votre part hein. Ça nous ferait extrêmement plaisir hein. On avance pas mal en ce moment, on est arrivé à l'heure où je vous parle, on a 124 abonnés. On sera possiblement plus au moment où vous voyez cette vidéo, ou potentiellement moins, on ne sait pas hein, qui sait. Et n'hésitez pas à partager hein. Ça ferait extrêmement plaisir de voir que on se répand telle une maladie. Mais voilà. Ouais, c'était cool, la prochaine fois on va affronter pas mal de gros monstres. J'aurai farmé entre temps, promis, j'aurai promesse de président. J'aurai au moins farmé un peu, minimum, au moins un minimum, histoire de moi avoir quelques trucs sympas à vous montrer la prochaine fois quoi. Parce que certes, les monstres, honnêtement, on peut les faire, mais des monstres de feu avec des armes de feu, ça va durer un peu longtemps et ça va être un peu dangereux et chiant. Bon, je vais pas vous retenir plus longtemps, plus rien à vous dire non plus. C'était Cassidus et à la prochaine pour la suite de ce let's play. Allez, des bisous.